Good morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Janine Ruth, Bat Fortuné Mazal Fritna, Léachay Bat Mazal Tov, Lucien Batrin Naklo, Shalom Oven, Shalom, et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Gitin, Perek Zayin, Mishnah Rav. Areze Giter, Almenat, Chete Shamshi et Abba, Almenat, Chete Niki et Beni, Kamaï Menikato, Chete Shanim, Rabbi Yehuda Omer, Shmanasar Chodesh, Met Aben, O Shemet Aav, Areze Giter. Areze Giter, Almenat, Chete Shamshi et Abba, Chete Shanim, Almenat, Chete Niki et Beni, Chete Shanim, Met Aben, O Shemet Aav, או שאמר האב, אי אפשי שתשם שני, שלא בהקפדה, אינו גט. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כזה גט. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל עקבה שאינה אמנה, הרי זה גט. Toujours dans les gittin avec les tnaïm, les conditions, qu'un homme il peut donner un guet à sa femme en lui posant une condition, et que l'acte de Girushin est validé depuis tout de suite, et l'avenir nous attestera qu'il a réellement été bien fait, et que si toutefois, finalement, elle n'a pas rempli son tenaille, et bien, tout s'annulera rétroactivement, et avec, à présent, un nouveau cas, de savoir, quand le mari lui dit, « Areze Giter, voilà ton guet, almenat shetem shamshi et abba, à condition que tu vas aller servir mon père, ou ton père, ou, d'accord, c'est-à-dire qu'il le pose comme condition d'aller s'occuper de telle personne. » Un petit peu, d'accord? Ou bien encore, Almenat, Teniket, Beni, ou bien, je te pose la condition que je te donne ton guet, mais à condition que tu allaites mon fils. Si elle était mariée, ça aurait pu lui poser. Toutes sortes de problèmes que ça peut faire, qu'une femme qui allaite, une femme qui est divorcée, ça peut la déranger pour ensuite se remarier, tout ça. Elle aurait la posé comme ça. C'est ton guet, à condition que tu vas l'allaiter pendant 2 ans. Non, à condition que tu vas l'allaiter. D'accord? Donc, je reprends. Il a posé comme condition. Soit à condition que tu vas aller t'occuper de mon père, ou soit il a posé comme condition que tu vas allaiter mon fils pendant 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Kama imenikato, combien de temps ça va durer le temps qu'elle s'est engagée à l'allaiter? L'enfant, il peut tirer du lait même jusqu'à 85 ans, des fois chez des femmes comme ça. Et dans ce cas-là, ça implique en même temps. Sur ça, on a une petite marloquette qui va me dire Kama imenikato, shteshanim, combien il va devoir l'allaiter? Ça va durer pendant 2 ans. Et Rabbi Yehuda Omer, Shmona Asachodesh, et d'après Rabbi Yehuda, ça peut durer jusqu'à 18 mois uniquement, pas 2 ans. D'accord? Faites attention que sur la condition que tu vas t'occuper de mon père, là, il n'y a pas de limite de temps, Bémet. Ce sera pour la vie. Si pour la vie, elle va s'occuper de son père, eh bien, ça, elle va valider son guette. Ok? Pour le moment, tout va très bien. Donc on a dit qu'il est limité pour 2 ans ou 18 mois. Qu'est-ce qui se passe maintenant si Meta Ben Oshem Meta Av? Imagine maintenant que, là, on a posé comme condition qu'elle va allaiter le fils. Le fils, il est mort. Razu Shalom, il est parti, et elle n'a plus rien à l'allaiter. Est-ce qu'on va dire, ben non, il a posé comme condition que ça va durer pendant 2 ans ou bien non? On va dire, il a posé comme condition dans la mesure du réalisable. S'il n'y a plus de fils, eh bien, elle est apte à accomplir sa condition, il n'y a aucun problème. Et c'est effectivement la réponse de la Mishnah. Meta ben o shem meta av, si toutefois le fils est mort ou bien le père est mort, d'accord, donc finalement elle ne peut plus remplir sa condition apparemment, et bien malgré tout, areze get, il faut savoir que c'est quand même un bon get, parce que la condition en fait, tacitement on va l'interpréter que c'est une condition pour le bien-être du père, ou pour le bien-être de l'enfant. S'il n'y a plus d'enfant, et bien elle a rempli sa condition. Tant qu'il y a un enfant à faire ce qu'il faut, il faut le faire comme il faut. Mais s'il n'y a plus d'enfant, et bien il y a... Ok, c'est clair? On continue. Donc, Metaben Oshem Metahav, Arezeget. Nouvelle histoire cette fois-ci avec Arezeget Almenat Chete Shamshi et Abba Chete Shanim. Là, il le pose comme condition que tu vas servir mon père, tu vas t'occuper de lui pendant 2 ans. Il a posé expressément un temps. Et là, on va avoir une marloquette intéressante. Que d'abord, on continue. Ou bien encore, il me dit Almenat Chete Niket Beni Chete Shanim. Il lui dit je te donne un guet, mais à condition que pendant 2 ans tu vas allaiter mon fils. C'est pas qu'elle lui dit juste tu vas l'allaiter et que ça doit durer 2 ans, c'est qu'il lui précise pendant 2 ans. Et là, ça va changer d'allure à cause de ça, justement, que si Met Aben Oshem Met Av Osham, si le fils est mort, ou bien le père est mort, donc il n'y a plus la personne à qui elle peut travailler, ou Osham Mar Av Iefshi Shetesham Sheni Shelo Bakvada, ou encore le père lui dit non, je me sens un peu désagréable quand tu viens t'occuper de moi, je préfère que tu t'occupes pas de moi. D'accord, ça peut avoir des problèmes de. Peu importe.
Donc maintenant, la différence, elle est comme ça. Elle est que là, cette fois-ci, il a pris la femme, il a posé comme condition à la femme qu'elle va faire des actions qui vont s'étaler dans le temps, en précisant la durée de temps qu'il lui dit. Et sur ça, on a une marloquette. La Mishnah me dit, Eno get, ce n'est pas un bon get. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, Kazé get. Et Rabban Shimon Gamliel va me dire, dans ce cas pareil, c'est un bon get. La question, elle est essentielle, elle est très simple. Lorsqu'un homme, il lui pose comme condition à la femme que c'est ton get à condition que tu fasses ça et ça et ça et ça. Quelle est son intention essentielle? Est-ce que son intention, il est... Pourquoi? Ça y est, tu la libères, elle sait faire ce qu'elle veut. Pourquoi tu vas la bloquer? Soit tu vas la bloquer parce que tu... J'ai perdu le fil. Soit tu vas la bloquer... Oh, soit parce que réellement, tu as besoin de ce qu'elle va, de ce que tu veux lui soutirer. Mais réellement, tu en as besoin. Ok. Ou bien est-ce que c'est, tu veux tout simplement qu'elle n'ait pas la vie de facile, qu'elle ressente, qu'elle t'a fait baver pendant que tu étais avec elle, et maintenant tu veux qu'elle souffre aussi pour obtenir son divorce. C'est sadique, mais peut-être que c'est aussi une intention, et c'est sur ça qu'il y a la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel. Que selon Tanakama, quoi qu'il arrive, quand on a dit à la condition que tu vas allaiter mon fils pendant 2 ans, ou que tu vas t'occuper de mon père pendant 2 ans, alors. S'occuper de son père ou de son fils, ça n'a pas de limite en théorie, c'est du chassed fort. Il y a limité ça pendant 2 ans, alors là, sur Tanakama, ça va être interprété qu'en fait, il a posé comme condition pour l'embêter, l'enquiquiner. Et dans ce cas-là, si toutefois, la condition c'est que je t'enquiquine pendant 2 ans en venant t'occuper du vieux monsieur, ou de donner à manger. Donc, puisque c'est que. Donc, finalement, puisque le but, c'est d'enquiquiner. Alors, dans ce cas-là, si le fils meurt, le père meurt, alors elle ne peut plus remplir sa condition, la pauvre, parce qu'elle ne peut plus être dérangée, il ne va plus changer de choses, le get il sera annulé, il faudra lui redonner un nouveau get. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Tandis que Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, sur Rabban Shimon Ben Gamliel, non, kazé get. Dans un cas pareil, c'est un vrai get. Dans la mesure où il va interpréter qu'il est il objectif, le gars. Quand il pose sa condition, c'est pas juste pour l'embêter, c'est juste pour la définir exactement. Tu viens travailler pendant 2 ans. Ou chez son père, ou bien en s'occupant de son fils pour l'allaiter. Son intention des 2 ans, c'est pas pour l'embarrasser. C'est tout simplement pour lui dire, sache que plus on n'en a pas besoin. C'est une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel. Concrètement, je sais pas, dans quel esprit on va divorcer, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut l'embêter ou est-ce qu'il veut tout simplement, il veut lui soutirer un petit billet en route, un petit avantage en route. C'est la marloquette. Maraman Shimon Ben Gamliel. Ah, j'ai oublié une précision importante aussi, c'était l'histoire de chez Ifshi, chez Talchem Sheni, chez Lobakpada. Que le père, il lui a dit. On avait trois cas de figure. Il y a soit le fils qui meurt, soit le père qui meurt, ou bien soit tout simplement le père qui dit non, non, ne viens pas travailler chez moi, ça me dérange que tu t'occupes de moi. Mais pas parce qu'elle s'est mal comportée, c'est juste le père. Chez Lobakpada, ça vient pas parce que le père, il est makpil sur elle. Mais ça vient en plus parce que c'est un degré qui veut être une indépendance, sans avoir une femme qui lui roule dans les pieds, ça le dérange. D'accord? Et voilà. Ensuite, on continue. Klal Amar Rabban Shimon Ben Gamliel. Telle est la généralité qu'elle a dit Rabban Shimon Ben Gamliel. Kol Hakava She'ena Emena. Tout retardement du mariage qui se fait She'ena Emena, qui ne se fait pas par sa cause, c'est pas elle qui a provoqué que ce soit tellement compliqué. Eh bien, un rezeguet, ce sera un manguet. C'est-à-dire, en fait, quand elle a dit. Quand il a posé comme condition, tu vas t'occuper de mon père. Alors maintenant, le père, il refuse. On va savoir pourquoi le père, il refuse. Si ça ne provient pas de la femme, qu'elle s'est pas mal comportée avec le père, mais que le père, tout simplement, il a pas envie que la femme s'occupe, ça ne provient pas d'elle. Sur un management de Gamliel, c'est un bon guet. Parce que la condition de travailler mon père pendant de t'occuper des petits soins de mon père pendant 2 ans, c'est dans la mesure où il est apte à recevoir ses besoins. D'accord? D'accord? Et maintenant on continue, donc Kolakavashena et Mena, il nous dit, maintenant tout retardement qui n'est pas lié à elle, le fils qui meurt, le père qui meurt, le père qui refuse de profiter de sa prestation de service, et pas parce qu'elle a énervé, mais parce que réellement, sincèrement, elle a le père qui n'en a pas besoin, mais dans ce cas-là, dans tous ces cas de figure, Arezeget, parce que selon Rabban Shimon Gamliel, et la Nacha n'est pas établie comme Rabban Shimon Gamliel, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.